taureau parce que je fonce tout le temps. Même sur les portes ouvertes, n'importe, je fonce. Ouais, parce que ouais, je suis un fonceur, je porte pas grand chose, donc ben, j'y vais, et puis toujours le moral, et on y va, on s'accroche. Voilà. Si j'étais une devise, je pense que ce serait toujours partant, ou même pas peur, parce que ben, il faut toujours aller de l'avant, et puis les risques, on les gère au fur et à mesure. Bah forcément un Beaujolais, bah tant qu'à faire, au moins un cru du Beaujolais, voilà, donc un cru du Beaujolais. Si j'étais un bonbon, bah je serais peut-être un coco lyonnais ou un coussin lyonnais, référence à mes origines lyonnaises et textiliennes, donc au cocon de soie ou au coussin fait en étoffe de soie, voilà, tout simplement. Ah, si j'étais une fête, ben forcément je serais la fête des conscrits, parce que moi-même conscrit depuis très longtemps, j'ai déjà fait mes 10 ans, mes 20, mes 30, mes 40. J'ai loupé les 50 à cause de la société, mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper pour les 60, et j'espère bien plus après, donc sans aucun doute, la fête des conscrits. Si j'étais un film, Le Grand Bleu, parce que c'est un film de solitaire, j'aime beaucoup l'eau, et je suis très solitaire, puisque déjà ma société, je travaille tout seul, et c'est vrai que je suis assez bien tout seul, donc Le Grand Bleu. Ah, si j'étais un véhicule, eh ben, je dirais ma Jeep Willys de 1943, parce que bah, je suis un amoureux des vieilles voitures, les Jeeps parce que c'est un petit goût de liberté à côté de, par rapport à, on va dire, à notre histoire, et puis surtout parce que c'est un véhicule qui passe partout, et moi j'aime bien passer partout, et puis comme je vous disais tout à l'heure, même pas peur, donc j'avance tout le temps, il faut que ça passe, voilà. Si j'étais un lieu, ben je dirais le Mont Brouilly, parce que j'aime beaucoup cette chapelle, et puis d'ici on a une magnifique vue sur quasiment tout Beaujolais, et même plus loin encore, et donc ça montre un peu et ben, le Beaujolais dans son ensemble, et puis l'envie de rayonner tout autour, et plus loin encore. Voilà. Si j'étais un chanteur, et ben en fait je dirais plutôt un groupe. Je vais parler de Madness. Alors pour les jeunes générations, je sais pas si ça va parler, mais enfin moi ça me parle, et à ma génération ça parle, parce que c'était un groupe anglais et qui était très rythmé. Le ska anglais était particulièrement rythmé, et ça a bercé on va dire toute ma jeunesse, donc voilà, le Madness par exemple. Si j'étais un objet, et ben si j'étais un objet, je dirais un tasse de vin, pour rester local, un toast vin qui permet de boire du bon vin, tout simplement.